Études notariales Landard et Associés, bonjour. Bonjour. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. C'est une demande. Pour le dossier de série, là. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, hein, ok? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Attends, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, maître Landard à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Mais qui vous êtes, monsieur, exactement? Connaissez-vous madame Roselyne Estave de Ferry? Pardon? Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Habsbourg, a quitté ce bas monde depuis 6 mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle? Mais vous demandez qui? Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Pardon? Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufruit de votre quote-part entière indivisé, de la demeure familiale avec son haras, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Hein. Monsieur, je pense que vous faites erreur. Je suis surpris, vous ne semblez pas très enthousiaste. Absolument. Vous ai-je fait part du codicille susmentionné par la donatrice? Pardon, monsieur? Mais suivant ce codicille, la défunte stipule expressément que passé un délai de 2 mois et 1 jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Madame Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogique, la somme s'élève à 2 053,65 €. Bon, bref, arrondissons à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment? Bah, écoutez, en ce cas-là, vous savez ce que vous faites? Vous voulez donner... Hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier, ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude? Vous êtes où? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici, et nous avons une étude à faire vivre. Hein. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous? On pourrait mettre la clé sous la porte. Hein. Enfin. Mais qui vous êtes? Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Écoutez, monsieur, je pense qu'il vaut mieux que cet argent parte à des associations qui le méritent bien. En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Bravo, est-ce que vous voyez la caméra? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour.